Donc, l'impact de la crise sanitaire que nous avons vécue concernant les jeunes, donc nous avons été à même de le constater, alors vraiment à travers un petit prisme, mais qui quand même me semble révélateur, c'est nous avons organisé un séjour de cohésion SNU, du Service national universel, fin juin, début juillet, et on a pu être témoin effectivement de situations racontées par les jeunes sur ce qu'ils ont pu vivre durant cette crise sanitaire. Et ce qui était frappant, c'est les situations d'isolement que certains ont pu malheureusement vivre durant cette crise sanitaire. Et cet isolement, en fait, il a eu un impact à la fois sur le plan psychologique, mais sur le plan physique, puisqu'on a quand même constaté un taux anormalement élevé de petites blessures lors du séjour de cohésion par rapport à ce qu'on peut constater, par exemple, sur un séjour de vacances, qui vraiment indiquait la fatigue physique et donc associée à la fatigue nerveuse que l'on a pu constater. Donc voilà un petit peu le petit prisme qui a été le nôtre, mais qui rejoint une analyse un peu plus globale partagée par de nombreux partenaires avec qui j'ai pu échanger, ainsi que mes collègues. La situation des jeunes pendant la crise a été prise en compte par tout le monde, par tous les pouvoirs publics, avec des dispositifs qui se sont mis en route, comme la continuité pédagogique ou l'aide à la formation et à l'emploi, mais ça a été pris par un prisme presque unique et ça n'a pas suffisamment pris en compte la globalité de la vie des jeunes, ni la santé morale, la santé physique ou même les conditions de vie. Et l'isolement a été extrêmement frappant chez les jeunes. Et nous, on l'a vu dans les centres de loisirs, quand les jeunes ont pu revenir à un moment donné. Très, très vite, on s'est aperçu que la socialisation se perd très, très vite et que les jeunes qui étaient en centre de vacances, qui se retrouvaient, avaient du mal à retrouver une communication directe avec les autres jeunes. Et ça nous paraît effectivement inquiétant et à souligner. La crise sanitaire liée au Covid a été une perte de repères pour l'ensemble de la population. Naturellement, les jeunes ont été très impactés. Leur rythme de vie, les relations entre eux ont été bouleversées, même si l'habitude des réseaux sociaux leur a permis probablement plus que le reste de la population à échanger. Mais il y a aussi beaucoup de repères parce qu'on n'a pas pu échanger dans les mêmes lieux, enfin dans des lieux habituels. Une des chances en milieu rural, notamment, c'est d'avoir pu être, je dirais, s'oxygéner, pouvoir avoir des activités tout de même à l'extérieur qui étaient beaucoup plus faciles à gérer que dans les zones urbaines. Je crois qu'au niveau de la MSA, nous l'avons fortement ressenti dans l'accompagnement des jeunes, normal, surtout ceux en formation, je dirais, agricole ou para-agricoles qui sont très en lien avec l'extérieur. Il me semble que, comme beaucoup d'autres, mon institution pense que nous avons vécu là une période particulièrement dramatique, hein, et que l'on pense vraiment rien de bien. Heureusement, dans le département de la Manche, de nombreux professionnels accompagnaient déjà depuis de nombreuses années les jeunes via les réseaux sociaux. Et certains d'entre eux ont pu maintenir ce lien avec les jeunes, un lien essentiel hein, qui a permis de les sortir de leur isolement. Hein, je pense notamment aux promeneurs du net. Et cette activité, ce lien qu'ils ont entretenu a permis, je crois, de limiter les dégâts. Alors bien sûr, je crois qu'on ne mesure pas encore pleinement les conséquences de cette période sur les jeunes. Les confinements, les gestes barrières, l'enseignement à distance, l'arrêt des activités et la rupture également avec les amis marqueront les générations actuelles. Les jeunes sont les premières victimes sociales, économiques et psychologiques de cette crise sanitaire. La jeunesse durement touchée, mais je suis persuadée, une jeunesse qui fera preuve de résilience, une jeunesse qui saura trouver des solutions pour traverser cette épreuve grâce au soutien de tous. Le conseil départemental de la Manche joue son rôle de soutien en accompagnant les jeunes les plus fragilisés par la crise, notamment à travers le fonds d'aide aux jeunes. Via son dispositif Spot 50,
Il permet également aux familles de collégiens de bénéficier davantage sur le sport, la culture, les loisirs et les transports, la volonté du département de la Manche étant d'être présent aux côtés de tous les jeunes.